Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne. Et aujourd'hui, on va faire la découverte de Visa Control USA Border Simulator. Alors le problème avec ce jeu, c'est qu'il est il est en anglais, je crois. Ou il y a d'autres langues, mais non, il est en anglais. Attends, je vais regarder. Non, ouais, que l'anglais. Donc bon, on va voir. Hein. Je vais poser mon téléphone et on va faire la traduction à chaque fois. Alors là, je vais vous lire ce qui est marqué. Bon, le seul truc, c'est que j'aurais cru qu'en fait, pour une fois, je pensais qu'il y aurait un tuto qui t'explique. Non, oui, il t'explique, mais il n'y a pas de tuto. Enfin, pas de tuto de gaming, je parle. Bref, alors donc, c'est parti. Ouvrez le volet pour commencer votre journée. Le gros bouton rouge. Ok, ça marche. Pendant un mois, vérifiez les informations civiles en scannant leur pièce d'identité. Celui-là, ça va. Vérifiez la température civile avec un thermomètre sans contact. Faites les bons choix et laissez-les passer. Les laisser passer ou non en sélectionnant une des options disposées. Mais attention, si une jauge est rouge en fin de journée, vous êtes viré. Enfin, c'est maintenant que vous avez perdu, mais c'est pareil. Hein. En gros, on est viré. Bref, on va tester. À moins qu'ils nous font un tuto direct quand on commence. Peut-être. Jour 1. Allez. Donc. Ah ok, d'accord, donc en fait, ouais, je suis assis sur mon siège et puis c'est tout quoi. Ça ressemble à mon fond d'écran d'ordi. À peu près. Bon alors, allez, on y va, on teste. Alors. Oui. Ah, ok. Donc, hop. Je vérifie ça où moi? Attends, tu vas pas me dire que c'est là? Qu'est-ce que tu dois faire? Hein? Attends, j'ai les papiers. Ah oui, carte d'identité, d'accord. Oh puis ouais, tu commences direct sans rien, sans tu. Ben, j'aurais peut-être dû garder l'image en fait. Bon alors, voyons voir. Je vais laisser allumer ce truc là, je sens que je vais en avoir besoin assez souvent. Bon, hop. Donc, Destelaine. Alors, elle doit traverser la frontière pour récupérer les documents laissés à son bureau. D'accord, donc elle a laissé à son bureau. Alors, 22 ans, c'est une femme, elle est secrétaire. Par contre, c'est quoi le truc de santé là sur le côté? Donc si je dis yes, donc elle part, et attends, ils disent de faire ça. Bougez pas. Attends, normalement c'est la tête. Ah, attends, faut que je reste appuyé. 36-8. Attends, est-ce que je fais ailleurs, au niveau du cou là? Non, ça marche pas, c'est bien au niveau de la tête. Bon, ouais. Bon, bah pour l'instant c'est bon, hein. Y a pas de... Mais attends, comment je fais pour vérifier les papiers? Attends, j'arrive pas à... Il y a autre chose, non? Rien, clavier, rien, la souris, je l'ai fait tout à l'heure, le téléphone, non. Ah, c'est un peu sensible, c'est chiant. Non, bah là, oui, bah là, c'est bon, allez, vas-y, passe. Hein. Mais comment on faisait pour vérifier le papier? On pouvait? Attends, bah oui, il y a le visa. Attends, c'est quoi la touche? Il y a une touche? Non, ça c'est plus. Non, il n'y a pas de touche, je peux pas vérifier. Bon, c'est pas grave, on va faire comme ça. Alors, lui. Vas-y, Marcel. Alors, qu'est-ce qu'il dit, lui? Alors, il doit traverser la frontière pour... Alors, attends. Donc à chaque fois que c'est marqué « As to cross the border », c'est la frontière. Donc pour se rendre un rendez-vous personnel, cet homme essaie de vous soudoyer. D'accord. Attends, déjà. Hop, bouge pas. J'ai pas vraiment visé la tête, mais bon. 38-6. L'autre c'était 36 et là c'est 38. Ouais, mais je comprends rien. Attends, mais c'est tout ce qu'ils vont faire, on peut pas vérifier.
Ah, attends, il essaie de me soudoyer. Bon, bah alors non, tu passes pas. Hop, tu pars. J'arrive pas à piger quand même le truc en fait. Alors, en fait, non, en fait, ce qui est marqué sur le visa application, c'est marqué là-dessus en fait, compte. Bon, attends. Ouais, parce que là, j'ai que ça, je peux rien faire d'autre. Non, y'a rien d'autre. Alors. Donc là. Hop, trac. Alors, elle doit traverser la frontière pour apporter des provisions à sa grand-mère. En fait, attends, c'est quoi qu'il y a? Ah oui, t'as la santé, t'as de l'argent, et après, c'est quoi le petit bonhomme qui aille, c'est déjà contente? Attends, la profession, c'est marqué quoi? Ah, j'ai pas vérifié la profession du mec. Attends, student, c'est pas étudiant, ça? Mince, il y a le truc qui est marqué. Il y a anglais-français qui est marqué exactement à l'endroit où je veux le truc, là. Attends, regardez. Ouais, c'est marqué étudiant. Sa profession, c'est étudiant. Tu te fous de moi? Ah non, j'avais pas vu l'âge, elle a 24 ans. Oh mince! Oh, vu sa tête, je pensais pas qu'elle avait 24 ans. Bon, d'accord, alors là, c'est logique qu'elle est étudiante, d'accord. Ah oui, attends, faut que je fasse ça. Mais ça, je vois pas à quoi ça sert en fait. Ouais, 38,6, bon bah ouais, 38,6. Bon bah là, je vais dire oui. Hein. C'est un peu mou, hein. Un peu mou. Oh, j'avais pas vu, il y a même des ventilles là-bas. En plus, je peux pas me déplacer, je peux pas sortir d'ici. Bon, vas-y. Donc là, il veut passer la frontière pour. Bon, pour un meeting de. Ouais. Salle représentatif. C'est quoi ça comme profession? Salle représentatif. Ah, représentant des ventes. Ah ouais, j'y étais pas là. Ah, attends, par contre, la santé. On peut voir. On va la santé. Maintenant, 36,6. Non, bah, c'est bon. Non, bah, vas-y, passe. Hein. Il y en a encore combien comme ça? C'est le dernier, là? Alors. Hop. Bon là c'est le début, alors forcément on n'a pas trop de complications. Alors lui. Ah attends, c'est marqué must. Mince. Alors, ça veut dire quoi ça? Attends, je prends tout parce que sinon. Hop. Alors, spécialiste des maladies. Bon, bah, j'espère que t'es pas malade. Hein. Il faut traverser la frontière pour se rendre à un dîner de famille. Il faut traverser la frontière. Ouais. Attends. Là, je suis. Ah. C'est un peu sensible, le joystick. 36,8. Oui, bon, bah. Ouais, bah, j'en sais rien. Je vais dire oui. Il y en a qu'un que j'ai viré parce que c'est Amaté qui essayait de me soudoyer, mais. Bon. Ça, je fais quoi, là? Là, il n'y a plus personne. Je vais fermer le rideau. Hein. Bon. Ouais, c'est bizarre quand même. Vas-y, on va faire le jour 2 pour voir. Je suis pas emballé. Hein. Pas du tout. Alors, pas du tout emballé. Hein. Alors bon, ça là. Alors, donc must, on sait qu'il faut. Il faut traverser donc la frontière. Elle doit délivrer un masque gratuit. Make. Je sais pas ce que je veux dire.
profession Taylor. Oh, purée. Ça c'est chiant parce que je sais pas ce qui est marqué. Ah, tailleur, ok. Ouais, c'est ça. Pour faire une livraison gratuite de masse. Oui, bon, j'y étais, c'était bon. Bon, ok, d'accord. Bon, je vais quand même faire ça, là, le truc. Hop. Tac. 36. Je sais pas si... Ouais, je sais pas... Oui, bon, vas-y, hein, vas-y. Roule. Bon. Il est tout parti. Un employé, ça veut dire quoi? Qu'il a pas de boulot? Bon, je vais pas traduire là. Je vais le faire à l'arrache. Alors. Voilà, 36,5. Oui, vas-y, passe. En plus, le pire, c'est que le machin, il se place automatiquement dès que la personne arrive. Alors que je ne l'ai pas encore scanné ou quoi que ce soit. Ah oui, c'est vrai. Oui, bon, c'est pour faire une leçon de professeur. C'est un fitness coach, ouais. Bon, vas-y, je fais ça quand même. Ouais. Ouais, bah vas-y, passe. Ouais, c'est mou hein, quand même, c'est mou. Je suis pas... Ouais, pauvre. Je m'attendais que ça soit un peu plus... Comment dire... Je sais pas, un petit peu plus complexe ou quelque chose, même si c'est en anglais, au pire, c'est pas grave, mais... Là... Attends, mais c'est ça, là hein? Ah, elle est prof aussi, elle, et c'est pour faire du shopping. Ouais. Ouais, bah. Allez, vas-y, passe. Je vais leur dire de tout se passer. Allez. Trac. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Pour examiner un patient, général praticienne. Ouais, ouais, vas-y, passe. Vas-y, va faire ce que t'as à faire. Ah, je suis dans le rouge. Ah, je suis cuit. Ah, parce que le plus, c'est ma vie. C'est ma vie, le plus. Bon, bah, comme ça va se clôturer, là. Tiens, allez, hop, crac. Voilà, donc là, il n'y a pas de jour 3. Parce que j'ai fait quick. Je vois bien qu'il y a un truc qui apparaît là, mais... C'est marqué news. Ah bah j'ai le... Ouais, j'ai rien vu du tout. Ouais, bon, bah non, on va s'arrêter là. Donc en fin de compte, le petit plus, c'est ma vie. Donc si elle descend juste en bas, c'est cuit. J'avais pas lu ça, moi, en fait. D'accord, ok, c'est ma vie. Mais le problème, c'est que c'est pas assez fourni en détail et en... Comment on pourrait dire? Ouais, je sais pas comment expliquer. C'est pas assez fourni en documentation. En... Là, c'est juste, bon, bah, il me file son truc, je mets le machin, je lis le truc. Au pire, je trouve de la température, mais bon, voilà, quoi. Au pire, je dis non à tout le monde, et c'est bon, ça marche quand même. C'est un jeu au pif. Je sais pas. Là, franchement, celui-là, bof. Voilà, c'est pas terrible. Voilà, c'est vraiment le cas de le dire, c'est pas terrible. Ouais, non, franchement, non. Il y a peut-être d'autres jeux qui sont mieux, mais celui-là... Bah, on s'ennuie, en fait. C'est pas le même, je vous dis, c'est pas le principe qu'ils sont en anglais. Hein. C'est juste que... Bah, tu passes la carte, tu lis les infos... tu prends au pire la température, que je vois pas trop à quoi elle sert, mais bon... peut-être que le dernier était vraiment malade, j'en sais rien. Je sais pas. Bon, enfin bref. C'est pas grave. Bon allez, sur ce, je vous souhaite donc une bonne journée, un bon jeu, et à la prochaine fois. Salut !